Les justiciers masqués avec Bernie. 102.1. C'est quoi? Oui, allô, c'est quoi? Oui, bonjour. Alors, Roxane, mon conjoint ne sait pas que... En fait, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère me nommait Ginette. Okay. Et j'ai changé de nom pour Roxane. Oh! Oh! Ben, oh! J'avoue que Ginette, là, tu me sembles être assez jeune, hein? Oui, j'ai 20 ans. Alors, oh! Ginette à 20 ans, j'avoue que... Non, alors... ça fait vieillot, fait que moi, j'ai changé de nom. Ah, puis tu l'as jamais dit à ton chum que tu t'appelais Ginette avant? Jamais. Si tu lui dis, t'as-tu peur qu'il te laisse maintenant? Ben, voyons. Je penserais pas. Je pense qu'il m'aime, là, mais je pense que tu pingerais en 2 minutes. Ben, attends, il dirait pas où j'y pense. Mais à partir de quel moment t'as décidé de changer ton nom? C'est à l'adolescence, ça. Moi, je me suis fait écœurer beaucoup étant plus jeune. Ouais. Fait que moi, j'ai supplié ma mère. Puisque t'es écœuré quand t'étais jeune, puis ça, là, est-ce que tu chantes bien, toi, parce que tu pourrais aller à la voix, t'as une belle histoire. Ouais. Non, mais en fait, j'ai la grippe, là, je sors d'une très grosse grippe. C'est bon, on t'embrasse, ma belle, puis on t'appellera pas Ginette. Roxane, 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 Roxane. Et tes souliers à talons, t'as mis de la buée dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal. Roxane, viens ressauter dans mon cerceau. Salut! Salut! Oui, allô, c'est quoi? Oui! Alors, Cathy, mon conjoint ne sait pas que... Hey boy! Ne sait pas que j'ai déjà fait un trip à 3. Oh, OK! Avant ou pendant que tu étais avec lui? Avant, par exemple. Ah, okay, avant. Bon, OK, OK. Puis ouais. C'était ça avec deux gars, deux filles ou... C'était avec deux gars. Deux gars. Deux gars. Puis comment ça s'est passé? C'était-tu deux amis ou vous êtes rencontrés dans une soirée comme ça par hasard? C'était dans une soirée. Ouais. J'avais rencontré un des garçons. Puis par après, ben, il m'a présenté son ami. Puis comment ça s'est décidé de même? Ah, let's go, on s'en va faire un threesome quelque part. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un des deux qui était plus beau que l'autre? Est-ce que pour t'attirer, mettons, ou c'est comme... Ben, j'étais pas vraiment attirée vers un ou l'autre. Ça, il était super gentil. Pis... Ben oui, parce que c'est ça qui est important dans un... Dans un threesome, ouais. C'est que les deux gars soient gentils. Mais c'était... Il avait une bonne grandeur, fait que... Ah. Donc, grandeur, t'appelles ça comme ça? Ben ton chum, là, mettons que tu lui annonces comme ça, est-ce qu'il prendrait ça si mal que ça? Pour moi, je dirais, là, il serait content de le savoir. Ah! Ben pourquoi là, tu lui dis pas? D'après moi, il voudrait qu'on l'essaye avec une autre fille, là, ça mais... Ah! Hey, mais merci beaucoup pour ta confession. Bye. Merci, bye-bye. Oui, allô, c'est quoi? Oui. Alex, mon conjoint ne sait pas que... Ben, en fait, à la Saint-Valentin, l'année dernière, on s'était loué une belle petite chambre d'hôtel. Oui. Puis mon conjoint, il était malade. Ouh. Donc, je l'ai laissé à la chambre d'hôtel et je suis descendue au bar et finalement, j'ai terminé dans une autre chambre. Oh! Wow! Attends. OK, hey, ça bat même ce que j'ai pu faire dans ma vie. Oh! Compte-moi ça. Compte-moi ça. Ben, en fait, c'était au bar. Moi, j'étais allée prendre un petit drink. J'avais comme aucune idée en tête. Oui. Puis on s'entend que c'est quand même le soir de la Saint-Valentin. Fait que je pense que ni une ni deux, ben, c'est ça qui avait le goût, là. Lui, il était tout seul aussi ou il y avait quelqu'un d'autre qui attendait dans sa chambre? Non, il y avait personne, lui, okay. Par exemple. OK. Est-ce que ça a valu la peine? Ça a été une belle soirée ou? Non. Non? Non? Finalement, non. Grand parleur, petit faiseur. En plein, ça. On est habitué à ça. Ouais, mais ça arrive, ah, ouais, effectivement. Oui, oui. Fait que finalement, c'est arrivé une fois, tu l'as pu rappeler après. C'est en plein, ça. OK. Ben merci, coudonc. Alex, de ta confession. Parfait. Merci. Oui, allô, c'est quoi? C'est Bill. Ma conjointe ne sait pas que... Ma conjointe ne sait pas que... Un mois avant que je commence à sortir avec elle, j'ai couché avec une femme d'âge mûr que j'ai rencontrée dans un bar. Ouais. Qui était sa mère qui venait de divorcer. Oh. Non! Non, non, non! Non! T'as couché avec la mère de ta blonde un mois avant de rencontrer ta blonde. Non! Ouais. Jure-le! Puis là, comment tu t'en es rendu compte? Le malaise, j'imagine, au premier souper de famille, c'est ça? Ouais, ça a pris 2 mois avant que je rencontre ta mère. Puis là, attends, écoute, quand tu l'as rencontré, là, ouais, ça se passe comment? Parce que tu la vois, puis là, tu réalises, mon Dieu, j'ai déjà couché avec cette femme-là. Disons que j'avais de la misère à regarder dans les yeux, là. Et là, est-ce que les deux, vous avez décidé de rien dire? Comment ça s'est passé? Ou c'était une entente? On s'est parlé de commun d'accord qu'on n'en parlerait jamais. Oh, Colin. Oh. Es-tu encore avec la fille aujourd'hui? Oui. Puis comment ça se passe, les réunions de famille, mettons? Disons que il y a certains malaises parfois. OK, mais mettons la différence d'âge. J'avais combien de temps d'âge de différence? C'est quoi, 20 ans, 15 ans, 30 ans? 23 ans. 23 ans de différence. Avec la mère, OK. Puis est-ce que la mère est meilleure au lit que la fille? Moi, je veux savoir. C'est ça que je voulais savoir. Non. Non? Ah! Non. L'expérience ne vaut pas tout. L'expérience ne vaut pas tout. Ah, OK, c'est bon.
OK, ben, wow, écoute, c'est toute okay. une déclaration, j'avoue. Là. Ouais, écoute, ça me scie les deux jambes. Là. Merci beaucoup, Bill. Merci. Ça se peut qu'on te rappelle. Merci, merci, bye. Les justiciers masqués avec Bernie. 102.1, c'est quoi? C'est quoi?